Pasteur, Bogani coupe et c'est moi les Kélio. Le but était singé, il est présenté coupe one. Bandi ma renaissance, bamouna yango. Bana boka, bamouna yango. Kasi bande kobalobi le 31 juillet. Dato yoko tia pona kolaksa coupe wana. Ezali ko provoquer parce que yobi déjà que opposition et lengeli ko sala meeting moko ya kafu kafu na mboka awa. Pour ko banan le 28 mois na mboka tien tshiseke dia et pe le 31 a memi bande ko iska meeting ko salema. Bande ko bamona lokwa provocation. Ba dénoncer pour la énième fois nous au combattre makama opposition. Au lobby ni pasteur. Maman Sylvie, la corruption que c'est déplorable. Au moins, la vie, à table, il faut beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont été pour le il y a trop. Il y a une cellule qui a été pour le bien. Il y a une cellule qui a été pour le bien. Il y a une cellule qui a été pour le bien. Il y a bien. Il y a une cellule qui a été pour le que ça semblant, ce monde renaissance, les nabandiens, banen balobakte, pasteur Mubimba, ati, apengi, abouaki bible, akusuka, tokomune lokuni na kusala nini, mais les lotos zolo boy, ozoka nengba komi koloba, ou pourquoi salula djok, sole djok oy, na renaissance so bo boyaka, ou yo bo pesanga chance te, ni lobo komi koyi nangana tolia salula djok, mais l'air nabanda ki eske bo mone kike, na kusala ngo. Donc, on a quoi qu'on essaye au boy? Et ça passe dans ma voix. Comment on monte? Donc, on a Franck Diong. Honorable. Ah, honorable. Bah, ça qu'on reprochait pouvoir en place. Mais le 31 mois, on a un Franck Diong. Bino Bolobi meeting. Mais pour nous, nous avons un peu de renaissance. On va présenter une coupe. Na 20 mai. Bino Bolobi meeting. Pour nous. Non, non, je crois qu'il faut un symbole à l'Ikambouana. Hein? Mm. Et Ali a été une provocation. Aux Hollanda, ça fait un mois que tu sais qu'il dit à Anosaka que Akouya pour un meeting à l'E31. Toyoka, lobby lobby, na confirme en Bozoloba, na bateau à Renaissance. Parce que, pasteur Mukuna lobby, a présenté coupe na stade du 20 mai na tata Raphaël kaka jour ango au meeting ya Tshisekedi donc ezaloko la balingi batinda provoka promama na ba provocation pour na ko perturber meeting wana na réunion tozaki na bato a Monisco tolobi na bango ba yebisa Kimbuta a délocalisé date ya présentation à coupe ba ko présenter ango lelo ba ko présenter ango lobby pourquoi ko zelisaka jour à meeting eza provocation. La même chose, Shadar Aloba qui est en train de meeting kaka le 31. Donc, il y a acte mis à la provocation. Ndengeni ni kaka, ba pasteur Azala a exposé la logique ya bato majorité contre bato opposition. Est-ce que Renaissance, comme équipe ya foot, Mukuna linga pesa ngo coloration que bato Renaissance bazala bato contre la démocratie ou bien bato majorité? Ce qu'il y a dans la majorité. Tu vas contre Tshisekedi. Ou bien vas contre Tshisekedi. Donc, Elokwana, Bino va pas dire Sangobo, Sembola Yango, bonsoir à tous les amis de l'aide de l'église, les amis du pasteur Salomon Kaning Alsol, le monnaie de l'espoir. Partout où vous êtes dans le monde, vraiment mes salutations, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ abondamment. Dans cette vidéo, avant que j'intervienne, je voudrais tout d'abord amener certaines lumières sur certains points que vous venez de suivre tout à l'heure. Il s'agit, il y a meeting, il y a patriarche Étienne Tshisekedi qui doit descendre à Kinshasa aux environs, il y a date, il y a le 27, non, le 28. Et dans, en sa descente, après 2-3 jours, c'est-à-dire à la date du 31 juillet de ce mois ici, il va organiser une grande rencontre, bien un grand meeting avec tous les opposants politiques
pour chercher les initiatives, les stratégies, la vision qu'on va communiquer à la peuple congolais. Pour que ça se passe dans Kinshasa, pour que l'on ait une crise compte tenu de Père Kabila au Itkali dans 3 mois. Alors, à la date du 31 du mois Oyo, mois de juillet, c'est-à-dire mois de juillet, à la même date du 31 Oyo, IDPS, avec tous les opposants, ils se sont mis d'accord, une grande réunion, un grand meeting, on va mobiliser tout le monde. Va communiquer vision au peuple congolais. Pour voir comment on peut faire sortir le pays de la crise. Mais malheureusement, dans la même date, avec Pascal Mukuna, Akamati, a tiré le bail Oyaye pour présenter la coupe à Renaissance, qui est une Renaissance que tout le monde connaît bien. Oyaye pour Renaissance va présenter la coupe à la même date. Dans le stade, il y a Papa Raphaël, donc il y a la façon dont il y a une équipe de Renaissance, et il y a une réunion de l'IDPS. Cette provocation, et bien, cette intention-là, alors je voudrais, à travers mes interventions, vraiment que j'amène une paix. La Katika Tuana, la Mekamke, vous clarifiez, peut répondre directement à Pascal Evêque Mukuna. Tout d'abord, avant que je réponde, je voudrais souligner quelques passages de la Bible. Permettez-moi de lire ce passage de la Bible. La Bible dit ceci dans Nombre, chapitre 22, verset 6. Za histoire ya Balaam na Balak. Je vais lire seulement un verset pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je vais parler pendant peu de temps puisque Internet est comme cher là. Congo. Viens, je te prie. C'est le message de Balak quand il a donné, il a lancé le message à Balaam. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu maudis, que je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Dans cette histoire ici, la Bible parle, il y a sorti à Ban Israël un esclavagisme pour aller à la terre promise. Ce peuple avait un mime sombre, invisible, en zone de Bandeau, accompagné par moi, jusqu'à arriver à la terre promise. Et toutes les nations de Bandeau, Bounissa Israël, la plupart, ils avaient compris qu'Israël est derrière lui. Il y a la main de l'Éternel et d'autres nations ignorantes. Il n'avait pas compris qu'il y avait la main invisible de l'Éternel qui était derrière Israël et Bandeau accompagné. Balak a compris une chose, que peuple Oyo, c'est un peuple de Dieu. Maintenant, ils vont passer dans le territoire, alors j'ai beaucoup de chance à vous en avoir défaite, parce que la main de Dieu est derrière ce peuple. Et il se payait de luxe d'envoyer les messagers avec un paquet d'argent pour aller corrompre Balaam qui était le prophète, le devin à l'époque. Parce que bien un peu voyant encore devin, puisque c'est là qu'il m'a dit Israël, pour qu'il ne maudit le peuple de Dieu à rendre le monde tellement faible. Il a pris d'argent afin que lui, qui se croyait inférieur à Israël, par rapport à la parole à malédiction, abatte le peuple de Dieu. Pourquoi on a ce passage? Parce que vraiment c'est un passage qui concourt avec le contexte autour de ça. Alors, dans quel sens? Peuple congolais, c'est un peuple qui a souffert pendant des années et des années et des années. Nous avons une misère, il y a peuple congolais. Mais il y a des leaders qui ont une bonne volonté. Au jour et nuit, se débattent pour que l'on ne soit pas dans la crise. Alors, à voir dans la réalité, ce peuple congolais, aujourd'hui, aussi à l'image d'Israël, Nzambe Azasima, le peuple congolais, vous le voulez ou pas, Nzambe Azasima, la main de Dieu invisible, Azasima, le peuple congolais, ils ont accompagné jusqu'à la délivrance. Mais ce peuple, on sait qu'on a la délivrance dans la terre promise, dans de bonnes choses, Nzambe a promettant au peuple Wana. Maintenant, monsieur Kabila, il va prendre de l'argent à Pesna Mukuna, que Zambongwana, Yopetia, Lipaya, Kara, même tête Wana.
une des personnes va poser un barotier non le 31 juillet tchapé les banayo puisque mon colonna population on va se départager moussou pas que n'engam moussou pas que n'engam puisque l'équipe voilà renaissance paraît-il que nous comme la popularité belé il y a beaucoup de gens qui sont adeptes bien membres bien fanatiques tout ce que vous voulez alors le bateau va se diviser alors meeting moi les en ampleur ma cassette et je sais une chose que le pasteur Mukuna en fait c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, il a reçu l'appel de Dieu. Dans la volonté de passer le Mukuna, il n'y a jamais ressenti comme bon. Akamatacha Libaya, la même date. Mais si par exemple, le pasteur Mukuna doit obéir dans la voie de Bible, on a le corps à jamais, puisqu'il lui a proposé de l'argent, ça m'inquiète beaucoup. Le titre de pasteur Mukuna, un évêque que je respecte beaucoup jusqu'à aujourd'hui, mais je le respecte. J'ai fait beaucoup de vidéos pour défendre le pasteur Mukuna. En tant que boum, on a vu ma qui a passé le patron, pasteur, pasteur Samson, Zambaba qui s'est, oh bah, Mbela qui est, la frère Patrice. J'ai, sur la chaîne YouTube, Betty, pasteur, patron, deuxième volume, j'ai fait des vidéos, on a tellement pour protéger la réputation de pasteur Mukuna. Et jusqu'aujourd'hui, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. En tant que yé, à boum, il s'est là, mouké, avec Mukuna, toujours les restes l'homme de Dieu. Alors avec ce respect là, tu peux faire un évêque Mukuna. Je te demanderai l'homme de Dieu. Pour nous obéir sa réputation, le moment où il y a une date le 31 juillet, Tika IDPS n'a pas opposé à la réunion à Bango. Dans la facilité. Nyonso, maintenant il y a pour la date ressource. Puisque selon les recherches, par lui que date où le 31 juillet. Monsieur Tshisekedi de Pessah, un mois avant, il a dit que non, je vais descendre à la date du 31 décembre dans un meeting à Bopéi de Pessah Boposan pour mobiliser, conscientiser les peuples pour que décembre soit le coquille Kabila Fakende. Date où on a pensé que moi, depuis un mois avant, maintenant, il y a comment il va être la même date où on a pasteur. Pourquoi comment il va au nom de Dieu? Attends, on a pensé que moi, la première chose, un homme de Dieu. Bien, toute personne qui est appelée à Dieu, la première chose dans la vie, il faut bien maintenir cause. Ils ont clair ce que c'est. Qu'est-ce qui fait que le pasteur Mukuna est là, puisqu'il combattait les mensonges, les injustices, les péchés, il défendait la vérité. N'oublie jamais, tiens ça dans la tête. Au télé, au lecteur, au média, à la télévision, vous combattiez les péchés à ce moment-là. Mais au télé, mais dans ma soumission, on s'en a fait. Après, comme on préfère les disciplines. Et là, que cela est maintenant. Mais si, par exemple, aujourd'hui, tu te permets de combattre la vérité et défendre les injustices, non, comme on défend le braillement, le primus, tout consort, le bête, ça va consort, ouais, la sonde. C'est-à-dire, tu fais le contraire. Ce sont les mêmes choses au tombola qui ont. Ce sont les mêmes choses qui vont t'humilier, qui vont te diminuer. Mais ce n'est pas là notre souhait. Avec beaucoup de considération, la paix n'est pas vaguement connue. Je te demanderai poliment, tant qu'aumônier de la diaspora congolaise, et que l'on a libéré à la date le 31 juillet, si il dépasse, je le répète avec les opposants, c'est la réunion de Bango, puisque M. Kabila, à l'ingalingaté, le 20 décembre, il est partant. Partant à Kéi Libéla, il part. Tika opposant, beaucoup d'un peuple, il sa vision, orientation, de éviter par quelle voie nous avons la délivrance au Congo, mais Tika la la liberté, il y a un peu de puisque le Congo, c'est la nini, et si pour. Mais une chose est vraie dans le passage où on a tangi, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Balak était tellement intelligent, il n'y a pas dit que non, c'est un peuple Israël, c'est un peuple qui est plus puissant que moi, puisqu'il avait la main visible de Dieu, et il ne voulait pas combattre, mais il a utilisé une autre personne, a pris d'argent pour combattre. Et effectivement, il ne voulait pas, il voulait impliquer et gérer un prophète à Kandoromodur, c'est exactement ce que je veux dire. Mais avant de combattre une personne, il faut d'abord voir qui est derrière la personne. Il ne faut jamais dans la vie commettre l'erreur de combattre une personne avant de voir qui est derrière la personne. Et je t'assure que même aujourd'hui, parole sage, on a dit dans le film de Lumumba, qui est derrière toi. Ce qui est Lumumba, qui est derrière toi, puisque qui est derrière toi. Quand il
quand il avait compris que les Belges, les Américains étaient derrière Mobutu, Boye Bounisaye, à qui Makina préférait fuir. Mais ce que Mobutu pas mal, Malinga Bounisaye pas écrasé. Mais quand il a compris qu'il y avait une main visible à Tikaki. Aujourd'hui, Israël est entouré par les nations musulmanes islamiques partout. On va écraser Israël en un clin d'œil, va détruire Israël. Mais pourquoi ils ne sont pas en mesure d'oser? Parce qu'ils se posent la question, ils savent que qui est derrière Israël. Ils ont États-Unis, Angleterre. Non, on commence d'abord, c'est Dieu lui-même qui est derrière Israël. États-Unis, Angleterre, des grandes puissances. Oh, il faut aller sur Israël. Moi, je ne vais pas toucher Israël. Pourquoi? Parce qu'ils savent que derrière Israël, il y a la main de Dieu, il y a les Américains, il y a les Anglais, Batika. Israël, bon. Alors, peuple congolais aussi, Mukuna, ce que vous allez combattre, peuple congolais, évêque, il faut d'abord poser la question ici, qui est derrière ce peuple ici? Puisque Balaam, Balaam avait compris, il a refusé, il a utilisé un faux prophète, Balaam pour le combattre. Tu dois aussi te poser la question, qui est derrière ce peuple? Mais écoute la réponse. Derrière le peuple congolais, c'est la main invisible de Dieu. Ils ont accompagné le peuple Wana, tu la victoire. Mais qu'il y a l'autre sopana dans ma belle, n'a pas le coussin. Jamais ces sangs-là réclament la vengeance. À ta coûte constitution, le Bible, non, qu'à Bilaza, sénateur, à vie après, sera démissionné. Wana, constitution, le Bible, mais Bible, ils ont un passage, oh, et puis ça, n'a pas tout battu, ni ça, mais qu'il a pas sans tenacé. Constitution, le Bible. Que Yahozala, sénateur en vie, mais ce n'est pas ce que oh, volontaire en Zambéangwana, tu es habité sur les Angwana, mais ça en Wanate. Mais à ce que je sache une chose dans la Bible, tout le monde, oh, le Bouma, le prophète, les hommes de Dieu, ils ont servi les Zambé en esprit, en vérité. T'as la loi et l'ordre au monde dans la Bible. Bazana Sama Bélé, puisque leur sang criait la vengeance. Alors, Yéba, qui est derrière la Bible, qui est derrière ce peuple-là? Vous allez voir, ce qu'on a Capernaum, le loyo, na Israël. Mais si Christ avait inauguré pour la première fois le message dans sa mission, première fois tellement quand la porte de l'église, à tel message, il a fait l'inauguration de la carte de Capernaum, de la carte de l'église Ouana. L'image, on les a relégués, je parle de l'image de Zoléda. Côté de la carte de temple Ouana, de la carte Ouana, carte à Congo, et se dessina miraculeusement. Nous avons présenté carte à Congo, et se dessina dans le pavement, carte à Congo. Pour dire que, Congo est une nation de l'éternel. Congo est une nation en Zambé. Quatre, c'est dessiné en Congo. Donc, c'est-à-dire, Dieu est derrière le peuple congolais dans tout ce qu'ils font. Alors, il ne faut jamais oser. Il y a une chance à côté, mais pour combattre un peuple, on a un Zambé. C'est pourquoi Gamaliel, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est lui qui avait l'école de la théologie à l'époque. L'attendre, il n'y a pas apôtre. Quand on persécutait les apôtres, ils ont dit non, il faut faire attention. Voyez, bah, qui est derrière ces apôtres-là, parce qu'ils risquent de combattre les hommes sans le savoir. Non, les gens, c'est mal. Une réponse d'un sage, je ne comprends pas. Quand il a dit quelques mois, trois mois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne peux soutenir rien. Laissez-les faire. Oh, il y a un témoin, il ne peut pas faire ça. Faut jamais. Tu cadres loin dans les élèves, parce que je ne sais pas si tu témoignages, tu es un homme de Dieu. Tu cadres loin dans les élèves, parce que je ne sais pas si tu es un homme de Dieu. Tiens la date, nous sommes tous les gens qui ont été en. Ce sont les mêmes choses que Salamang de Congo, Braza. Tant que vous posez Brazzaville, vous organisez une rencontre avant l'élection. Ça se souvient de la tournée, quand vous avez des musiciens, des musiciens profanes, congolais, vous avez des karatékas dans le Kenya. Vous avez une réunion, vous avez une opposition à Brazzaville, vous avez des musiciens, des karatékas. Kenya, parce que vous mettez la musique qu'on a pour embrouiller les noms et pas tout, qu'on rend vraiment faible. Tu vois, ce sont des histoires où nous ne voulons pas. Moi, je ne suis pas une peste. Je ne suis pas une peste, mais une lingara. J'aime la vérité, j'aime défendre la vérité. Je n'aime pas les injustices et je déteste les oppresseurs. Parti politique, mon parti politique, c'est quoi? C'est l'église. Et ma constitution, c'est la Bible, c'est l'Ouan. Et dans un monde, il y a une diaspora, Jésus-Christ, roi du Congo. C'est tout. Alors vraiment, mon frère, vraiment, avec tout le respect qu'on appelle Sarayo, je t'en prie, avec Yarolongo Libayawana, pour opposant Basala, Réunion Nabango. Pourquoi dans le Bibongo, pour ceux que nous avons salé en Zambasso, je pense bien que tu vas écouter ma voix. Pe Orosa Yelango, vraiment, Nzambe Abozala Simanayo. Pe
Mais équipe pour la Renaissance, en vrai dire, les équipes à peine perdre. Nous avons vu, oui, finalement, les cas faire des déclarations que c'est le Kabila qui a vilipendé la Renaissance, tout comme ça. Tout le monde a des déclarations, ils ont financé beaucoup d'argent pour l'équipe en Israël. Nous savons tout. Moi, c'est la main qui donne, c'est la main qui dirige. Kabila, on a peur de battre. On a quatre, il y a une Renaissance, on a son tête qui dirige. Ce sont eux, on va passer hors de la voiture, on va pour embrouiller. Mais je t'en prie, que nous tiquons à Kamboan. Pour terminer, je demande une seule chose. Dans la vidéo, où il y a Saliwana, il y a défendre Bralimana Pimus. Quand tu as chanté de prière, il y a trois jours qu'il y a Pamba. Maintenant, il y a une vidéo où il y a un fou à moi, c'est un pardon. Quand on a chanté de prière à Mouzundo, ça, là, quand tu as chanté de prière trois jours, après, on a une vidéo où il y a Saliwana, où tu as chanté de Solani, tu vas comprendre que nous avons de bandeau là-bas. C'est un animé de notre esprit. Et je retiens sans plus tarder sur la Silisawa, dans cette vidéo, je vais pas extraire le bandeau, le bandeau, le bandeau, pour soutenir le primus. Pasteur, je connais notre primus. Je connais le primus, ils ont un homme bête, ils ont un pourcentage d'alcool, ils ont 20% d'alcool, ils ont un bébé, ils ont un bébé, ils ont un bébé. C'est-à-dire que le pasteur, il n'y a pas de pourcentage de primus. Alcool, le pourcentage, il y a un pourcentage de on a passé de l'union ma casse et tout ça pour zonga mon connoisseur yébé la ma casse nous avons l'union ma casse puis on peut te dire lui va te l'ingrayoter ces dimensions nous continuons à t'aimer mais tika pour soutenir Kabila tika pour soutenir il est un sanguinaire tika pour soutenir il est besoin de cancer il tombe sur mon bout de cahier il y a un changement mais avec au cause de ce bâton à cause des ordres la ligne bouge pour monter c'est l'ennemi de la prospérité Kabila c'est l'ennemi du développement c'est l'ennemi du peuple congolais pour soutenir il était tika si nous allons en charger pour nous, voilà la souci, voilà vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire. Tout le monde, dans les jours à venir, nous allons nous faire un peu de temps, nous allons nous faire un peu de temps, nous allons nous faire un peu de temps, nous allons nous faire un peu de diaspora, nous allons nous faire un peu spirituel, nous allons nous faire un peu de temps, nous maman Paola, nous allons nous faire un peu de encadrement, et belé, il y a une émission, nous allons nous conseiller. Tout le monde, vraiment, nous allons nous faire un peu de vraiment. Tout le monde a une vidéo dans les jours à venir. Dans le monde, il y a diaspora partout où vous Jésus-Christ sera du Congo vraiment. Nzambe, Azanabino, Makasi et Longo vraiment. Dans ce qui est la vidéo, parce que vous avez vu la vidéo, vous avez vu la vidéo. L'homme de la diaspora congolaise, bye bye. Bandeko, même en solo. Motozombe na makaya mais a commis l'ieke cigarette nuit à la santé dangereusement à la santé mais même tabato na tozali na quatre églises qui exhortaient pas mais cela n'empêche que ba sur le club tu puis une année za pasteur ba sur le club na bonga masumu masumu zani masengeza masumu te yote ba lobi la bible wa les niveaux ça c'est la bandako 20 bouchangu na bandako wale bien. Mais la protestant, le protestant Sainte-Seine, ils ont rendu un mois mapa. Bon, vous voyez quand même. C'est-à-dire qu'ils ont le premier, toujours qu'ils ont le premier, ils ont le premier. Mais ils ont le Simba Yaouté. Mais 20 bateaux Melaka, ils ont plus que. N'a pas de 10 000, mais ils ont 20. Ils ont plus que le premier. 20 ans à 11%. 20 ans à 5%. Pasteur, il y a la même enquête pour les pourcentages. Mais tout le monde a dit. Pasteur, si vous côté la bande de la bande, c'est plus que primus. Primus, c'est 3%. Si vous avez besoin de primus, c'est plus que primus. Pasteur, tout le monde est de Kamboana, nous général, tant fort.
y avait club. Et le rôle à soda, à sa publicité, on a non, on a le même rôle à bateau. N'a pas eu pour la nez au gars, entraîneur, t'es au jamais. Au jamais, c'est ça. Il y a le nez au thé qui c'est l'eau, donc comme il aura produit mon commercial. We are watching on you.